Bonsoir, bienvenue dans Haïti sa Capcuit. À ce soir, pour nous commenter l'actualité, nous avons ensemble avec nous le secrétaire Lord Barreau Port-au-Prince, secrétaire général Fédération Barreau, Maître Robinson Pierre-Louis. Cher Maître, bonsoir. Bonsoir, cher ami, et son privilège, moi, dans le moment ça, pour me répondre à l'invitation et participer à une belle émission. Ça. Merci beaucoup. À ce soir, il y a plusieurs points. Nous allons regarder d'abord, Maître Pierre-Louis, ou même qui in dans. Dans la vie système judiciaire en Haïti, si vous demandez au fond, il y a des lieux pour nous de appareil justice, là, comment elle a fonctionné. Est-ce que vous appareil qui est justice qui existait et face à pouvoir ça? Ça va répondre, M. Pierre-Louis. Je vais répondre tout simplement. C'est un pouvoir inexistant. Pour qui ça? Est-ce que l'élément qui t'a supposé constituer le pouvoir, ça, est-ce qu'il est là? La justice. Oui. Est-ce qu'il est là? Oui. Il y a un juge. De toute façon, il y a un juge, il y a un commissaire gouvernement, il y a un ministre de la justice, il y a un tribunal qui existait, que ce soit au niveau de la cassation jusqu'à tribunal de paix, il existait. Les tribunaux spéciaux, que ce soit le tribunal du travail, que ce soit terrien, qui n'a la Tibonite, il existait en soi. Le système est là. Mais les éléments pour faire fonctionner le système, est-ce qu'ils fonctionnent? Non. La justice, depuis un bon bout de temps en Haïti, et nous-mêmes comme avocats professionnels, 2 ans, 3 ans de cela, n'ont pas fonctionné. Et en pile avocat tombé dans l'extrême pauvreté, pour qui ça? Non seulement justiciable en soi, pas qu'à jeune justice, mais avocat ou pas qu'à travail, parce que l'atmosphère qui supposait réunir pour avocat travail n'a pas existé. Donc, que ce soit au niveau tribunal de Port-au-Prince, première instance, cour d'appel, c'est avant et là, juge font excès sous tête, ils ont baillé tête, ils ont obligation qui viennent forcer la main par rapport à diverses interventions que Fédération des Barreaux fait et le barreau de Port-au-Prince particulièrement tout, il fait avec bâtonnier Suzy qui font pile effort pour contact écrit, Premier ministre écrit, ministre de la Justice écrit, président cour d'appel écrit, président cour de cassation BCSPJ pour te mettre pression sur eux pour permettre que le travail reprenne au niveau de la cour d'appel. Parce que la cour d'appel, ça fait 2 ans de travail. Imaginez un pays, côté, or, la cour d'appel a constitué une garantie pour les justiciables. Ouais. Quand on cas ou présenté dans la première instance qui n'a pas réussi ou bien pas satisfait, seule voie que vous avez, voie de recours là. Alors que l'instance de recours n'existe pas ou bien ne fonctionne pas. Imaginez quelle difficulté vous avez, or, les affaires urgentes. Il y a une chambre qui traite le coup d'appel. Moi-même, personnellement, j'ai une affaire loyer, affaire urgente, qui fait 2 ans. Jusqu'à ce que pas jamais passé dans le coup d'appel. Jusqu'à présent, vous pouvez passer. Vous imaginez. Donc, ça dit, globalement, si vous prenez la justice en Haïti, pour moi, elle n'est pas fonctionnelle. Par contre, il faut marcher sous 13 ou pas marcher sous pour appeler 14 à tout. Parce que même tout le temps de justice, ça. Par exemple, pas quitter, pas commettre aucune infraction parce que si c'est ou même pas dans le pouvoir de domination ou bien dans la lignée de domination actuellement, justement, source ou comme on l'a, ou c'est journaliste expérimenté de carrière, si vous pouvez combien de monde, combien de procès que fait, combien de monde jugé et qui monde jugé, est-ce que j'aime donner un bon procès fait, un gros procès fait? Alors que dans différentes démarches qui faites pour t'avouer mon al juger, les groupes Tota, par exemple, qui volent les corps, boubés, qui font des détournements, que ce soit les rapports de ULCC, que ce soit les rapports que vous soyez des comptes bail, pour t'avouer un paquet, là où il y a un paquet, c'est disparaître, ou tout simplement pas jeune dans des yeux. Alors que c'est cas. Non seulement tu as un bel procès pour étudiants, apprendre, pour avocats, apprendre tout, parce que tu as fait une recherche, etc. Tu as découvert, et puis la population, tout justiciable, tu as appris un peu de bagaille. Tu as découvert, tu as une certaine satisfaction. Tu as fait une impunité. Justement, mais, vous imaginez, selon l'étude que nous avons fait l'année dernière, non, avant, 2 ans de cela, c'est sous le bâtonnier Stanley, Gaston. Nous te faisons une UAT venue et puis nous te faisons une belle étude sur la question de corruption en Haïti. Selon tout rapport, il y a plus de 200 cas qui sont transférés dans le paquet. Par exemple, un procès. 0 procès. 0 condamnation. Alors que c'est détournement l'argent. Donc en réalité. Plus de 200 cas de corruption.
Oui. Qui n'a pas qu'à. Dossier là. Qui n'a pas qu'à, mais n'a pas qu'à Port-au-Prince. Port-au-Prince. Selon Port-au-Prince. Oui. Port-au-Prince. Dossier là, mais gagne yo, vous rejeté, gagne yo classé sans suite, gagne yo disparaître tout, gagne yo démantelé, ou qu'on va dépouiller totalement et tirer tout. Non, exactement. Donc, ça, c'est grave. Et où, quand il y a avocat, par exemple, qui connaît, là où dit ça, je suis un petit genre ébranlé, moi. Parce que je suis responsable. Oui. Et là où sont responsables. Et puis, moi, nous devons servir pour mettre à l'aise, mettre en condition pour évoluer. Et puis, ou même, ou pas gagner réponse pour eux, ça grave. Oui. Ouais. Vous êtes impuissant par rapport à eux. Vous êtes impuissant parce que, mais quand même, il faut montrer que c'est responsable ou pas qu'à plein. Et là, on parle avec eux, on montre que. Et nous obligés de mettre pression sur l'autre entité. Et ça fait après, de temps en temps, il y a une grève, de temps en temps. Et comme si pour les autorités étatiques, ça ne veut dire rien. Ah, quittez pas la marche comme ça, nous-mêmes, nous sommes bons, confortables. Ça veut dire dossier qui a marché là devant la justice, c'est les dossiers politiques qui sont pour avec le gouvernement lorsqu'il a besoin de faire avancer en bagarre. Donc, on va regarder avec qui. Célérité qui fait avec notre dossier actuel là. Juge d'Abrésil. D'Abrésil. Dossier d'Abrésil là. Ou est qui envolé, ou est toute zèle qui développé dans ça par le ministre de la Justice, etc., qui voulait à tout prix. Je sais, mais ceux-là qui détruisent la vie des gens, que ce soit La Saline, Bélair, ou Matissan, ou dans les autres lieux du pays, pas qu'aucune démarche, ministre de la Justice, ça va pas intéressé dans ça pour faire dossier au marché, pour pousser par Kayo, avancer avec dossier. Pas mettre moyens disponibles pour les juges d'instruction pour poursuivre le dossier ça. Donc si un dossier n'est pas intéressé pouvoir, il n'est pas intéressé gouvernement, il n'y a pas intérêt là-dedans, bon, pour un côté. Par contre, si c'est ça, mais Jean-Lia, c'est réalité à dire. Donc réalité à dire. Par contre, si c'est moi qui dis le vrai, confirme-le, mais tout simplement, c'est un constat que les autorités ont intérêt dans les dossiers qui le concernent seulement. Mm. Tout dossier qui concerne les sociétés en général, qu'on a dit dans la musique d'I don't care. Mais Pierre lui, et la responsabilité des juges dans tout ça? Les juges sont impuissants par rapport en pile là-dedans par leur lâcheté. Moi, okay. J'ai dit toujours, après Dieu, c'est les juges. Mais malheureusement, le président a dit, après Dieu, c'est lui. Donc, Bavlantinopolique, mais le président a dit que c'est lui, après Dieu. Mais en réalité, après Dieu, c'est les juges. Pourquoi? Les juges ont un pouvoir d'appréciation et un pouvoir aussi de décider sur la liberté des gens. Donc, imaginez, on a un écrit si on a depuis au Vinchecho, il met en prison, il a seulement dit que renvoie la personne. Et puis, il cherche, il met non devant, et puis il condamne, il met en prison pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc, pour montrer que pouvoir ça, et c'est bon Dieu seulement qui a le droit pour juger. Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes tous des humains, chacun de nous, il y a un petit coin qui sent mauvais. Alors que, on va juger pareil. Vous avez droit ça. Mais la loi, parce que la justice élève une nation, dit le proverbe, le livre des proverbes, le Salomon. Donc, si le cas dit la justice élève une nation, donc, toute société fonctionnant en dehors de la justice est une société ruinée. Et je crois dans le même proverbe qui dit quand c'est le mal qui domine, les gens de bien se cachent. Et c'est ça qu'a fait là dans le pays. Ouais, tendance dans tout le monde de bien, tout le monde qui t'a supposé révolter, tout le monde qui t'a supposé dire halte là, nous pas d'accord. Et puis ça, on fait, ils ont pris de peur, et puis ils ont craponné. Ou bien au même tout, par instinct de conservation, ils ont dit ah, je ne vais pas prendre ça, pas rien de dessaline dans le pays. Mais lâchez-vous, on va parler de bon côté, juge, parce que en principe, juge, ils ont une grande responsabilité. Lorsque vous avez un dossier qui est distribué à eux-mêmes, ils ont une responsabilité pour faire dossier ça avancer. Lâchez ça, c'est bien pas renouveler d'ailleurs. Justement, c'est ils ont une incertitude. Ou après, d'ailleurs, les représailles qui fait sur certains juges, par exemple le juge Morin, ouais. Qui est son juge intrépide. Bravo, il est tellement avancé que, quel que soit le dossier qui vient devant, la balle traitement que le méritait et quelle que soit la position dans la société. Oui. Donc, c'est un brave. Donc, bravo, tout, attendons que j'ai reconnu, dans le cimetière, il y aura jamais marqué. Si j'ai le brave. Le brave, voilà. Donc, c'est pour dire que, les gens si j'en peux, mais il y a un craponné. Mais après, pendant un craponné, alors que c'est eux le maître, moi-même, moi juge, mon grand dossier qui vient devant, quel que soit mon nouille, c'est le papa bon Dieu. Oui.
moi je m'a traité de ça jamais et ça au mérite jusqu'au bout. Peu importe que mourir pour lui. Donc, tant qu'on pas prêt pour mourir pour conviction, vous avez conviction. Ça c'est un principe général. Donc l'MC juge, quel que soit, peu importe ça qui arrive, les conséquences, besoin de prendre responsabilité. Mais malheureusement, tout, je vais préciser ça. Juge que nous gagnons, il plus encadré, il plus et permettre que yo préserver, yo bah au moyen pour fonctionner, yo, c'est en pile là-dedans, c'est juge qui pas conforme. Elle dit juge. Le juge de l'équipe. Est-ce que c'est de l'équipe en réalité? Peut-être, oui, m'bakone. Mais m'ba entrer dans la polémique. Non, avocat prudent, avocat peut prendre précaution. Non, pas précaution. Écoute, ça m'a dit là, pas une précaution. Là, si on est jugé, m'souli. Ok, jugé. Même, j'ai une responsabilité de dire la vérité. Comme protecteur de l'ordre social. Okay. Parce que je suis un garant de l'état de droit. Vous voyez? Okay. Donc, si m'sais garant ça, c'était à compter sous moi. Peu importe les conséquences. Même si après oublier, après deux jours. Sauf que moi, j'ai le devoir, comme je fais partie d'un ordre, pour dénoncer tout ce qui est mauvais dans la société en rapport avec l'état de droit. Au final, 50 juges, président, t'es dit, qui t'es corrompu, t'es forcé le mettre dans le système, non. C'est lui-même qui a servi? Bon, sans doute, parce que nous, le système n'a devenu fonctionnaire. Donc, si le président lui-même personnellement a déclaré, et il a déclaré péremptoirement, au vu au sud de tous, que les juges qui ont été voués pour le nommé, c'était 50 juges que on a. Par contre, c'est forcé le faire, mais ça l'a dit, il a forcé le. Il a dit obligé de nommer, il a nommé. Il a obligé de nommer. Mais attention, on lit juge qui était là depuis combien de temps? Avant, il n'y a pas de monde qui forcé le. Il a nommé un paquet, et il y a un paquet qui décriait le système. Non. Gain poté plainte, gain yo été sanctionné, mais le président a quand même décidé de reconduire ses mandats. Donc imaginez, m'espérer cette fois-ci, c'est pas mon qui déforce le fait, il a choisi délibérément de les nommer. Donc bon choix qui fait pour côté exécutif là pour le mettre justice là à tes plates, j'en dis à tes plates là. Écoute, cela a toujours été ainsi pour moi, mais cette fois-ci il finit net. Pour qui ça? Pas qu'un juge, et ça fait me songer, malheureusement, pas songer non juge ça, mais sur Duvalier, il y a un juge que bon affaire qui présentait, des bons gros cas. Et puis, il a présenté devant le dossier nommé juge, et puis le juge a pris telle décision que de droit. Le président a fait appeler au palais. Et puis, le président Jacques-Claude dit, monsieur, je ne comprends pas pour qui ça, on va conseiller le gouvernement, le président, et puis vous décidez comme ça. Il dit, écoutez, président, vous êtes le président. Je suis le juge. J'ai décidé en vertu de la loi. Si vous jugez bon que mal agi, faites ce que vous en pensez, mais moi j'ai agi comme juge. Et puis je finis. Juste avant d'exister encore. Au gros, on est après ça. On fait pas grand pile là. Au gros, on est après ça, président, relé, monsieur, bal promotion. Oui. Yo relé, on juge d'instruction. Après ça, relé, yo mette le pivot. Parce que c'est un homme de cran, c'est un homme de caractère, c'est un homme de conviction. C'est un homme. Moi-même, je suis. Espèce qu'il envoie de disparition en Haïti. Mais. Qui est bon. Ça fait d'où l'envoi de disparition, ça veut dire qu'il était quelques graines, mais. Mais sauf que. Et ça me déballe de l'acheter tout à l'heure. L'acheter. Je ne suis pas juge. Moi-même, moi, monsieur, au paix, les juges, regardez les réactions du président de la Cour de cassation par rapport à un de ses pairs. Ouais. Quel que soit sans altérer, la solidarité exige que vous mettez au bon côté juge là. Même si après ça, il a sanctionné les gens pour vous faire là. Oui, juge, mais vous parlez de mettre René Sylvestre dans notre lien. René Sylvestre. Même en condamnation de principe, pas gagné dans notre lien. Rien. Ça montre que le dit, il te parle, ça fait garder, ça peut arriver. Et ça le dit dans notre là. Ça peut même te parler en premier discours, me parler en deuxième discours, me parler en troisième discours. Quand il a décidé de faire ça, ouvrir, ça fait garder. Et ça le dit. Moi-même, comme avocat. On mépris. Moi-même, je me rends compte tout pour que ça ait été nous, les autres ont fait rentrer judiciaire en octobre là, pour que ça ait été mis de barreau à dire. Elle n'a pas accepté de barreau à participer parce que c'est quelque chose qui avait été organisé pour le président de la République. On l'avait dénoncé parce que la rentrée judiciaire a été organisée pour le président de la République. D'ailleurs, tout le matin, qui est-ce qui était là? Les agents de USGPN, de l'OTIO, tout ça qui a un rapport avec Palais, c'est eux qui viennent. Les actes là, ils ont empêché tout le monde de rentrer et ils ont un contrôle strict sur toute identité.
Donc, alors que tu as dit c'est pour question de Covid, c'est pas vrai. Parce que les, la salle qui t'a reçu tout le monde, les chaises étaient normales, arrangées normalement. Mmh. L'un côté de l'autre. Mmh. Et que pas de place pour avocat, alors que généralement le conseil de l'ordre est invité à prendre part au complet. Mmh. Et puis alors que les mouvements disent non, c'est trois mouvements qui apprennent, les autres avocats peuvent venir parce que l'offre de genre d'activité, ça c'est pour les juges, les avocats, les greffiers, les huissiers, parce que ça concerne la rentrée judiciaire. Oui, c'est pour ça l'exécutif là qui est pour le comme ça. D'ailleurs, le ministre de la Justice, son devoir, c'est de se présenter et de bah, connaît, prononcer un discours sur ce qui a été fait, son bilan de son année. Alors que le président va gagner pour le ça l'a cherché. Alors que le président Sylvestre a organisé ça pour honorer le président Jovenel et qui a créé une grosse crise. Nous songer avec Barroa et ceci, c'était choquant. Mais mon lié. Bon, c'est pas mon lié, va t'apporter lié à des trucs. En tout cas, maintenant, la responsabilité des avocats dans tout ça, puisque dans l'appareil, l'avocat est extrêmement important là-dedans. Et pas que l'appareil a effondré, il fait faillite, le système judiciaire a fait faillite sans que l'avocat n'ait pas de responsabilité là-dedans, chef. Mais c'est normal, il y a une responsabilité. Je ne dis pas ça, moi, je suis avocat, peu importe considération qu'il a faite là. Nous sommes dans une profession ordinale. Et en même temps, tout qui est indépendant. L'avocat est libre. Il est libre dans la pensée et dans l'action. Pourvu qu'il était dans la limite droit. Et la loi, bien sûr. Nous-mêmes, comme responsables de l'ordre, nous ne pouvons pas dire à l'avocat, même monde pour choisir fonctionner avec, même monde pour choisir fonctionner avec. Nous ne pouvons pas dire pour imposer la loi, nous ne pouvons pas dire droit travailler pour le gouvernement. Non, loin de là, d'ailleurs, tout gouvernement dans le monde. Il fonctionnait avec avocat. Bien entendu. Mais avocat, il y a besoin d'aller dans un niveau de grandeur d'âme assez pour qu'on connaît les maps travail avec un gouvernement ou quel que soit monde, c'est moi le maître, ce n'est pas le client. Le client, parce que j'exerce une profession libérale. Je ne suis pas satisfait, je ne comprends pas. Je suis en bonne consultation. Sauf, ou d'accord. Je ne suis pas pour envie tendre, mais je dis ça ou d'où tendre. Et son principe lié. Par exemple, si vous demandez comme avocat, vous demandez une consultation. Vous dites, mais tel cas, je pense penser. Ça, la loi dit. Un, je dis ça, je pense. Je dis ça, la loi dit. Et quand on dit en conclusion, qui ça pour me faire? Je dis, mais ça, soit aller comme ça, il n'y a pas pour vous, mais soit aller dans la ligne, ça, je garantis qu'il y a un temps, mais on va pas aboutir. Mais c'est fait. Maintenant, on nous regarde rapidement, M. Pierre-Louis, comment, ou même en tant que grand chemin de la loi, ou comprendre le dossier juge d'Abrésil là. Ce dossier purement politique, ce dossier pas gagné de droit qu'a fait la donne. Grand dossier qu'on dit. Je n'ai pas envie de répondre tellement. Allez-y. Grand dossier qu'on dit. Et qu'on dit, les lieux vino bail là. Soit on a dit, il n'a pas fait confiance, ou bien il n'a pas d'accord avec lui. Tu es Rachem, ça on dit non, je ne pas quoi. Tu es Rachem là, bagay ça qui fait là. Son bagaille, pas qu'on ni piel ni tête li, même pas qu'on a fait un quel son bagaille sérieux. C'est la justice et droit qu'a fait, non? Pas qu'une question de ça. Il y a illégalité sur toute la ligne. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs juristes qui ont considération déjà sur ça. Et moi, personnellement, moi, dans la réflexion PAM, que ce soit en privé, avec d'autres collègues, d'autres confrères, d'autres personnalités privées, moi-même, question ça qu'a fait là. Ça qui dit, jusqu'à présent, ce scénario, pour moi, pas aucune réalité ou vérité. Tout le monde qui est là-dedans, nous me considère comme des acteurs. Mais en pile là-dedans, comme des acteurs maladroits. Donc, est-ce que il y a une vérité là-dedans? Il est possible. Mais il existe. Pour chacun, il existe une vérité. Mais c'est peut-être leur vérité. Mais oui. Jusqu'à présent, moi, je cherche la vérité de cette affaire. Et le monde qui pour décider, pour dire qui vérité a, c'est faut aller au-delà de l'intelligence. Parce que, quand il y a d'agir adéquature et intellectus veritas es, c'est l'accord intime de la chose et de l'intelligence, cette question de vérité. La vérité, c'est l'accord intime de la chose et de l'intelligence. On dit, sans faire, au moins, il faut me vraisembler ça. Elle dit, pas moi, mon bagage, zanana pour pingouin. Elle dit, automatiquement, pingouin a piqué. J'en ai appliqué tout, mais je n'en reprends pas ça. Donc, il y a une grande différence. Donc, affaire que ce soit Abdinan là, pour moi, d'ailleurs, que ce soit parler d'attentat à la vie, on n'a pas qu'à attenter à la ville pour l'aide de ce carnaval. Ça n'a pas de sens. Dans quel pays du monde,
Moi-même, songer M. Turki a comment il est Erdogan. Erdogan, gon tentative coup d'État. Monsieur, c'est un gendré. Il a arrêté le même jour. Plus de 150 personnes qui sont impliquées. Ils mettent en prison le même jour. Et puis, il y a n'importe 500 mandats. Il est là, il est là, il est là. Son bac à l'opal de ce carnaval, on va y attenter à la vie. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc, quel que soit le monde qui est dans l'entourage, le président ou le président lui-même, je dis que mon petit petit qui a 11 ans va d'accord à ça, il va accepter tes ça. Du mauvais théâtre. Très. On nous jambé dans l'autre point. Semaine passée, c'était le 5 ou le 6 février, ou qu'on a changé les salles, lorsque la fédération te prend une résolution pour les dire avec. Bien charpenté, et en pile considérant, et là-dedans, nous. Comme je mets la loi que nous avons, et le monde qui dit, que nous deux opposition ont une consultation dans la résolution par là, parce que l'opposition n'a pas véritablement une base juridique lorsque le département des présidents pour l'année 7 février 2021, lorsque nous venons avec une bonne considération qui est une littérature juridique et DSA nous fait. Mais le président pratiquement préoccupé nous. Là, nous, combien février, là, nous, pas 4 février. 7 février passé longtemps, le président toujours là. Sa fédération, comment fédération sent-il par rapport à toutes les saletés avancées comme fait, et puis je dis là. Il y a plein de monde qui dit que la fédération a adopté une position politique. Bien entendu, c'est normal. Parce que notre position est une position juridico-politique, de toute façon. Parce que là, le barreau de Port-au-Prince ne pouvait pas faire ça. Le barreau du Cap ou bien le barreau de Jérémie ne pouvait pas adopter une telle position en soi parce que en dans barreau il y a des convictions, des positions, etc. différentes et chaque monde qui a appartenu à. Mais quand il s'agit de principe général, question de préservation de l'état de droit et garantie pour la justice et renforcement même de la justice, la fédération, dans le statut, c'est ça qui est présenté, pour renforcer la justice. Et à chaque fois qu'il y a une dérive, il y a pour prendre position. Et ceci, d'autres général. La fédération a adopté position ça en vertu de l'observation qu'elle fait et en vertu de la loi. Et nous sommes restés dans la constitution. Et la constitution, elle est claire sur des principes. Et principiaux, c'est principes qui établit et garantit l'état de droit. Donc si nous disons, c'est d'ailleurs, moi président réclamé hier dans la déclaration que m'entendez, c'est que les ici d'accord qu'effectivement, que se garant des institutions, mais des institutions disparues, affaiblies. Donc, vous comprenez ça? Il parlait de lui et qu'on a réclamé ça, alors que la constitution a été déjà mise en veilleuse. Donc pour moi, il n'a pas déjà déclaré, mais l'on prend une décision pour agir comme ça. Dans le cadre d'une constitution, qui c'est la loi mère, qui c'est l'émanation même de la volonté populaire. Donc, l'on décide que vous mettez là l'écart, vous faites sauver, vous révoquez sénateur, député, etc. J'en voulais, et qu'on allait les arriver ou même, qui gagnera pour avoir, alors ces mêmes constitutions à appliquer, et vous direz, elle va conseiller nous. Ça va faire sens. Moi, le président, comme mon gamin, puis mon cap conseiller, des experts, des docteurs, etc. Bon, peut-être qu'il manque un infirmier à tout, sauf les entrées. Bon, peut-être qu'il ne faut pas qu'on concentre parce que le mal du pays exerce sur tout ce qui pense, c'est une action irrésistible. Il passionne. Il passionne en même temps, il désespère. Il dit de temps en temps, il faut nous tirer tout pour ne pas qu'il débat tout fait nous. Parce que je me fais face à des situations côté des mondes qui perdent espoir. On m'a parlé à un ami qui s'est pasteur. Je me dis, je ne peux pas dire parole, je me dis non. Il dit pas une parole encore, il me dit non, on va faire ça. On est obligé de dégager, de puiser dans où, dans la source, là, pour jouer une inspiration. Pour continuer dans la même ligne là, sur la question de la fédération, qui est très charpenté, et je dis là, qui est considérant établi vérité. Yo. Donc, nous ne pas passer dehors pour nous chercher position pour telle ou telle catégorie. Comment vous considérez le président aujourd'hui? Pour moi, c'est un ancien président. Pour la fédération, c'est un ancien président. Donc, il n'est plus président pour nous. Donc, c'est vrai, il est dans la position. Il se trouve que De fait. Non, il est. Tout à part, il est passé flétard en amène. Ah, mais c'est ça, de fait. Il occupe la position de toute façon, pas qu'à faire rien. Mais même, que l'on veut ou non, le président sait pertinemment qu'il est plus président. Pourquoi? Article 134-2, moi-même, c'est ça qui toujours dérangé. Ou qu'on ne peut pas qui dit intellectuel.
Or, Jean-Justin Devoté dit, ceux qui savent lire, ceux qui se donnent le titre d'intellectuel, doivent servir de lumière pour le peuple. Ils ne peuvent pas mettre dans l'obscurité. Alors que ils prennent une étiquette, un chapeau, une casquette, ou bien quelque chose, un costume de courtisan, puis ils gardent position. Et ils viennent des réactions, ouais, effectivement, qui viennent concocter avec un complot contre le peuple. On est qui passe misé. Moi-même, je suis habitué en province, je suis en province, je suis fait en province, mais je suis engendré en province. Même si je fait Port-au-Prince, même toujours un lien très serré avec la province. Imaginons des gens, des nègres qui connaissent le système judiciaire là, qui sont dans la même zone que je connais et qui sont très puissants dans le système. Qui sont ministres, qui sont juges, gros juges. Mais, et l'autre nègre encore. Mais nègre oublié que tu es sorti là. Il oublié que des fois qu'on traversait plusieurs pas de l'eau pour arriver dans la ville, misé par un passé. Et les gens qui sont dans la zone, sa, au moins, ils ont même arrivé dans la position de venir en lumière. Ils étaient supposés travailler pour améliorer la vie. Mais ils ont rendu plus difficile. Et ils ont même qui ça fait, depuis qu'ils ont une grosse machine patrouille, etc., pour le craser, montrer, faire, ouais, pour lever papa et honorer, etc. Mais ils ne font rien, en réalité, pour faciliter la vie à ces gens qui étaient dans la province. Donc c'est ça qui arrive, c'est mal, c'est très mal. Complot ça, président moi-même personnellement m'a dit, et ceci quand je dis personnellement, c'est au nom de la fédération des barreaux, parce que moi-même m'adhéré à ça à 100%, que le président n'est plus président. De, selon la loi, selon la constitution, mais de fait, il occupe la position. Que il est au palais national. Il est au palais national, l'appareil de l'État, c'est lui qui amène, c'est lui qui a manœuvré. Mais donc, que peut la fédération? Que peut la fédération? Contre ce système de fait, comme vous l'avez dit. Non, on l'a constaté, on continue à rester, à garder notre position et à continuer à dénoncer la situation. Donc on va continuer à dénoncer et entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des institutions internationales pour dénoncer ça et pour dire aux gens qu'ils ont une responsabilité puisqu'ils prônent dans le monde l'état de droit et nous sommes hors de l'état de droit. Est-ce qu'il y a des actions capables d'intenter contre... président qui n'a pas le national là et qui dit qu'il connaît pas là, il est illégal. Il y a plusieurs démarches dans ce sens-là, mais peut-être c'est pas la fédération directement qui fait, mais avec des gens de la société civile. Parce que nous-mêmes, ce qui ça, qui responsabilité pas nous. Nous c'est nous là pour nous orienter, nous là pour nous conseiller, nous là pour nous motiver. Mais les acteurs en soi, monde qui plus concerné, par exemple, nous ne sommes pas des défenseurs de droits et humains. Okay. Par contre, nous, au-delà des organisations des droits humains, oui. Tu vois? Parce que les organisations des droits humains, en réalité, en pile là-dedans, c'est des avocats. Oui. Elle dit, yo en bas, directive en protection. Elle dit, nous avons une responsabilité envers eux. Cependant, nous avons un job par eux, c'est détecter cas, dénoncer, etc. Mais nous sommes capables toujours encadrer eux pour y aller là pour y aller. Parce que quand RNDDH, par exemple, les gens qui l'ont, c'est pour un avocat. Mais il y a un paquet d'avocats qui entourent. Donc, il n'est pas avocat, mais Marie-Ozi, c'est avocat. Avocat. Justement, oui. C'est plutôt que un paquet, mais ils font un rapport. Par exemple, pour un F, qui s'appelle FJKL. Marie-Dame, non, pas avocat. Marie-Dame, c'est avocat. Marie-Dame, c'est avocat, mais... Marie-Dame, pas avocat, Marie-Dame, c'est avocat. Justement. Mais Marie-Dame, c'est avocat. Il dit, justement, donc nous là, c'est mon dossier avocat là, mais toute démarche a fait. Bon, on prend ça, on peut prendre un cadre doux avec M. Gédéon. Oui. Mais bon, Gédéon, c'est très proche maintenant, c'est ça, nous parler. Oui. Société civile là, besoin d'engager. Parce que, en réalité, moi, Goumba qui fait mal, ça a dérangé moi. Moi, je me dis, dans quel pays dans le monde, quel pays, monde, la politique, en réalité, tu as supposé l'affaire des gens qui. Éclairé, qui possédait. Pourquoi on peut dire ça? Pour garantir bien. Parce que tant qu'on investit dans le pays, on a plus d'intérêt. C'est ça lié. Or, investissement, yo, ou même, il faut protéger. Et moi, pour protéger, c'est permettre l'autre monde de développer pour qu'il y ait toujours un beau fleurissant. Oui. Oui. Donc, sous pas, et on va que les patrons n'ont rien dit jusqu'à présent. Oui, non, c'est clair. Pas attendre personne dans le monde patronal là, dit rien. Pour ça veut dire que là-bas. Ou bien on perd tout? Maga, ma patron, hein? Est-ce que c'est pas ton capé? Quand on a un droit à peine, non?
Pour qui ça? Patron, moi-même personnellement. Mais, là, quand même, je ne peux pas. Parce que c'est mon patron. Je vais mettre, si nous avons des juges qui, par exemple, des juges qui ont un pouvoir immense, des fois, on ne peut pas. Et papa, tu pas d'appel. Non, mais en réalité, juge, moi, je dis toujours dit ça, je toujours maintenant lui. À part quelques rares exceptions, ce sont des lâches. Ils me disent ça, peu importe les conséquences. Oui. Parce que, ou pas qu'il y ait un pouvoir. Bon, je dis, pendant ma vie, j'ai une réflexion. Je me dis, le pouvoir judiciaire, le troisième pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit ça? Qui côté l'écrit? On va aller au pouvoir, au dépositaire de la souveraineté, pour dire ni troisième. C'est pas ça qui parle de 1, 2, 3. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Oui. Or, les trois pouvoirs constitutifs de l'État. Pas que pouvoir, un pouvoir, deux pouvoirs. Jamais. C'est le pouvoir exécutif qui reste dans ses limites. Le pouvoir législatif reste dans ses limites et le pouvoir judiciaire agit selon ses limites. Donc, ou pas qu'à Vinzim, c'est le pouvoir judiciaire. Effectivement, on a fait en Haïti comme le troisième. Pour qui ça? C'est pour rapport vertical du guerre. Il fait pour montrer que. Dans le budget d'ailleurs, où tu es qui me parle en pile, et puis depuis le juge l'a parlé, il fait, il a arrangé le con ça. Et le juge était supposé, même quand on dit juge, je me dis, monsieur, on me dit quoi? J'ai un petit salaire avec vous. Nous avons un pouvoir immense, nous ne comprenons pas ça. Monsieur Jean-Lé m'a parlé en juge, je me dis, honorable, il dit, je ne suis pas honorable. Ah, je me fâche. Je me dis, si je ne suis pas honorable, vous dérangez. Parce que moi-même, m'apprendre, que ce soit en faculté de droit et la loi, dis-moi, le juge. Ah, les ont dignité. Les ont honorabilité. Honorabilité. Il faut me respecter. Depuis moi, quitte l'idée de la carrière, quitte l'idée de la rue, quitte l'idée de la tribunal, il faut me même respect pour lui. Et là, je me dis honorable, sous dim, ou pas honorable, ou dérangé, ou même vexé. ou humilié. Ou supposé répondre avec honneur. Honneur, et puis, je me sens plus grand tout. Parce que les gens qui ont regardé, mais après, c'est un qui connaît comment on peut traiter les gens. Tout à fait. De, allez-y. On nous finit avec les derniers points, ça, et Pierre-Louis. Dossier professeur Dorval. Assassinat professeur Dorval. Puisque c'est pour un dossier professeur Dorval. C'est assassinat professeur Dorval. 28 août qui s'est passé là. Pratiquement là, nous avons allé vers 6 mois de professeur Dorval. C'est un dossier qui n'a pas intéressé le pouvoir et qui l'a payé traîné, selon vous-même? Bon, on est que c'est un dossier qui n'a jamais intéressé le pouvoir. Donc. Question sont posées, c'est une question piège. Mais, ça fait deux fois que je dis à vous de me poser question piège. Mais... non, je comprends ça. Dit, ah, non, c'est pour me dire. C'est justement c'est un dossier qui n'intéresse pas le pouvoir. Et moi, je viens découvrir tout pour que ça, que ce soit des CPJ, que ce soit CSPJ, il n'y a pas fourni des garanties à juger que tu as demandé là. D'ailleurs, le CPJ jusqu'à présent, je ne sais pas si il y a un rapport qui a été pris de balle. Et le juge a été plein sur ça. Je me dis, juge, maintenant, qu'à ça, répondre au dossier. Comme il y a eu la commission de 14 ans. Il n'y a pas fait. Deuxièmement, CSPJ. Il n'y a pas jamais eu le juge à moyen. Et c'est qu'on n'y a pas apprendre selon. Le juge a subi plusieurs attaques d'ailleurs. Oui. Bon, peut-être c'est des cas. Le juge registre. Oui, le non-registre. Peut-être c'est cas. Fortuit, bah on est, oui. C'est bon bagaille peut-être planifié, organisé. Mais c'est bon bagaille tout pour... Selon menace directe, mais... Faut attaquer au fond au sérieux, puisque c'est... Oui, c'est normal, moi je toujours ça, je parle avec Juja, je prends ça très au sérieux. Mais ça qui est un intriguant, c'est que je constate que nos comportements juge président de la Cour de cassation, qui c'est en même temps président du CSPJ, moi je vois que côté va à la sortie. Pour qu'il ne soit pas jugé en cas de moi, parce que le dossier... Pour moi, le président de la Cour de cassation, c'est un allié sûr de l'exécutif. Donc, que l'on veut nous mettre, virer n'importe qui, on vire là. C'est un allié sûr. Il dit, je ne me mêle pas de la politique. Et c'est ça qui vient arriver avec la question dossier Maître d'Abrésil là. Donc, si un avocat, où est-ce qu'il va aller pas intéresser? Donc, où est-ce qu'il va intéresser? Il vit quel tout. Il dit, dossier, il vit quel, va dire rien. Donc, en réalité, le pouvoir judiciaire, ils n'ont pas intéressé parce que dicté que les jeunes plus fonctionnaires sont sortis de l'exécutif. Et c'est moi-même qui dis ouvertement, et je dis ça pour DCPJ, et je dis le DCPJ, les OTRLM, et il y a d'autres avocats qui étaient là, OTRL et tout. Et il y a un avocat qui a dit, hé, hey, ben jour, si nous, depuis nous, DCPJ, il y a un rapport, dossier ça, traité le Jean pour le dossier là, un avocat qui dit, bon, moi-même, je vais rentrer dans la police. Tellement les vrais pour moi. Dès le départ, il est clair que son dossier qui pas. Au départ, bon, moi-même, on est toujours positif. Je ne parais mais. Ouais. Ça, toujours être l'avant. Vers l'avant. En avancé, en avancé. Toujours optimiste. Mais même avec toutes mes réserves, de toute façon. Comme avocat, même, bien réserve. Ouais. Les mouets,
DCPJ, dans le rapport, premier rapport, ça me dit, ah, il va sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Mais comme je dis c'est partiel, je me dis, ah, m'abta. Et ça fait toujours dans le propos mieux, toujours battre pour toujours un minimum de crédit que me fait à DCPJ. Maintenant, même si le juge et le registre est intéressé pour le faire dossier professeur Doval là et assassinat professeur Doval là avancé, mais tellement que piquant coin là sur votre lit. Toute qualité. Toute qualité. D'ailleurs, on apprend que ce soit dans le greffe tribunal, il y a cassé, il prend le dossier qui prend la donnée, que ce soit garanti qu'il demande pour son bureau, son cabinet, pour te, et sécuriser. Jusqu'à présent. Il n'y a pas mis dans une porte là jusqu'à présent. Hein. Wow. Il demandait et un classeur anti-feu oui. Pour capable préserver et il va pas il était même demandé tout gain des pièces à conviction qu'il était souhaité mettre dans le coffre etc. Avec simple il va pas pour sécurité personnelle il demandait renforcer pour sécurité personnelle il dit charge machine blindée qui va ton blindé disponible qui était une blindée bon moi il pas un paquet dans l'arrière oui. C'est l'autre nèg qui a roulé yo permettre moi jeune yo mais on est ça moi maintenant loyauté du juge tout ça que une institution qui passait en dehors de cadre CSPJ pour offrir le magistrat, il dit, je ne peux pas prendre sans CSPJ. Fais mouvement à CSPJ. Et puis moi-même, CSPJ. Il y a une institution internationale qui dit, il faut passer par CSPJ. Il faut passer par CSPJ. Et c'est ça, un homme de caractère pour moi. Il dit, quelle que soit la situation où il y a, il ne peut pas vendre tête. Et parce qu'il y a un blanc, il sort de l'autre côté, il est dans une institution internationale, et puis il passe de ce côté pour venir me dicter, ça va me faire. Maintenant, nous allons faire des mètres, lui, déconstruire ça qui gagnait dans la justice en Haïti. Faut nous honnêtes pour nous dire que ce n'est pas en 2017 qu'il a commencé, ce n'est pas avec Jovenel Moïse, c'est même pas avec Tête Calée en, 2000, en, oui. 2000, en 2011. Sont déconstruits, ça fait nous le déconstruire, la déconstruire depuis des années. Comment renverser la tendance? Dernière question pour nous finir. Comment c'est renverser la tendance concernant le fonctionnement de la justice en Haïti? Puisque c'est décodé depuis le bon bout de temps. Oui. Moi, je me suis dit qu'il y a de croisière, il ne vient pas être plus clair, il ne vient pas être plus politisé, puis tout le bagage. Justement. Mais on déconstruit. Comment vous le faites? Premièrement, c'est une question de chambardement total. C'est qu'il faut renverser le système. Le système est corrompu dans. De tout compartiment. Dans sang, dans zone, dans tout journal là. Il faut, et yo, ça qui est drôle là, c'est qu'en bon bout de temps, yo toujours fait promotion en justice là. Mais quand il faut qu'il fait avec Maggie, etc., moi qui dans l'école de la magistrature, d'ailleurs, ouais, tellement qu'il y a autorité, on a décidé, avant, il a fermé l'école là. Oui, il va quitter, juge, rentré dans le propre cours de cassation fermé, etc. Ouais. Donc, il y a une volonté justement pour yo faire un nivellement par le bas. Ça veut dire formation. Moi, j'ai deux ou trois qui sont lauréats dans la promotion. Attendez, lauréat dans l'école de la magistrature. Vous connaissez l'écrit si j'ai un petit job juge de paix en dernier. Elle dit tout le monde qui est plus valable, il prend en dernier. Qui est-ce qui a été fait? Il y a une équipe d'ailleurs, que ce soit dans la profession d'avocat. Il y a besoin de mettre commissaire gouvernement, substitut, etc. Bah ouais, dans le rôle vigile, il est toujours dénoncé. Mais malgré tout, ministère de la justice, etc., toujours, qui nomme un, qui connaît ou pas compétent, parce que la loi fait exigence pour un juge. C'est soit ou te gagne 7 ans dans cette loi, 7 ans de profession, comme professionnel avisé, ou bien l'école magistrature prend formation, et après formation, hein, ou fait stage normalement, et puis vous voyez sur le terrain. Mais, n'est-ce qui pire mal, n'est qui pas réussi ou bien n'est qui difficilement réussi, c'est eux qui promotion et c'est eux mettez dans niveau et de temps en temps tendez le prend promotion ou t'es dans le paquet ou vient mettre le juge et pourtant de voyez dans coup d'appel alors que mon pas font réquisitoire maintenant donc depuis c'est bon qui est incompétent y a propulsé et ça et ça me dit et tout le monde connaît le système mais même dénoncer d'ailleurs j'ai une responsabilité au niveau du barreau et maître Doval fait Doval malheureusement avant l'assassinat d'ailleurs deux jours avant l'assassinat il était organisé un grand roumblé où il fait une grande présentation des 9 commissions permanentes où songez que il était metté dans barreau moi-même c'est responsable et président de la commission de la sécurisation de la profession et de contrôle de la juridiction donc, non, ça n'a pas l'air.
Gon dérive totale. Donc tant que nous finissons là, tant que politique là a foué douette li comme ça non et la justice là n'a toujours gagné là n'a toujours gagné ni et n'a gagné pire que ça. Parce que dans que ce soit au niveau tribunal et ailleurs, imaginons des racketeurs, c'est eux qui gagnent la parole. Depuis qu'il y a une connexion avec un parquetier, un commissaire, un substitut, c'est lui-même qui a fait dossier. Que ce soit un gars qui a un contact avec des quelques juges d'instruction, malheureusement, malhonnêtes, quelques, et pas tout le monde, un bon exécuteur. Bien entendu. Donc, et qui fait des ordres, c'est lui-même qui décide. Imaginons, on n'est pas dit, prenons un cabinet d'instruction, client à fort, et puis je sais. Et peut-être des greffiers a dit, ah, et pas mettre la cape la gonne, et juge là. Et puis client, oui. Et puis après ça, vous entendez, où est le client là? Le client sorti, il a circulé. Et puis s'il est bon, si comme il vient de mode, il dit pas de fond. Est-ce que vous êtes dans quel niveau? Mais c'est grave. Vous pensez que là, au vu au su de tous les responsables du système. Ça veut dire que c'est son temps avec lui. Je connais, et m'a besoin de ces deux mondes tout. D'ailleurs, ça fait moi-même féliciter actuellement l'université, le recteur, le rectorat, pour me dire. Je prends une décision, je ne vais pas arriver là. Je ne vais pas arriver là. Je ne vais pas arriver à une résolution, je ne vais pas arriver à le bout. Mais la résolution, ça va prendre. Il a été bloqué l'école là. On l'école de droit, il y a 12 succursales. Nous avons fait une étude sur l'enseignement du droit en Haïti. Et nèg la comment le fait, c'est l'école des fans, tout le monde toujours passé. Et puis nèg va dire mal l'école vraiment, autant de l'école licence. Et lâche ton mémoire. Et puis des gens malhonnêtes qui vendent mémoire. Et ça me dit, je gagne preuve pour lui. Je un secrétaire général adjoint qui est dans la fédération de Barreau, qui gagne moun parle, qui dit, ah, aidez-moi pour me faire quelques points dans la mémoire. Il dit, ok, ben ok, on chita, on commence à chita avec thématique, etc. Pour en poser problématique. Et puis, ça, on est fait. Après, il vire, il tourne, il dit, prêtez-moi 15 000 gouttes de la mettre sur un corps pour me garder le droit. Il dit, qui ça? Ah, je n'ai pas mémoire acheté. Fini. Bon, mais il dit, là, on met le soit dans le système, comme avocat, ou bien on met le comme juge, ou bien il n'y a pas rien à l'école. Il n'y a pas de jamais à l'école. Est-ce que ce n'est pas corruption pour le faire? Claire. Donc, il dit, bah, il planifie. Merci, Ampil, pour disponibilité, vous mettez bien lui. Ah, merci un peu, tout, vous permettez d'exprimer frustration. Non, mais franchement, c'est normal. Frustration, et m'a demandé pour tout le monde, Marie Ceinture, parce que ce n'est pas fini. Je connais que c'est difficile, il y a un peu la pérèse qui est venue. Mais attendez, dans toutes choses, comme Joseph Sylvain te dit, il faut des victimes. Donc, et victimes, yo, des fois, il ne faut pas peur présenter tout, et pour l'autre monde qui a une inspiration. Parce que les racines sont profondes et nombreuses. Merci encore une fois, M. Pierre-Louis. Merci pour vous qui t'avez suivi ce capuit. Il est ensemble avec nous, on a croisé l'autre lèvre pour l'autre sortie. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Eric Jean-Baptiste, on va laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pil de gars. Et mettre quoi qui veille con. Les amis changent la vie, mais on détend en temps. Contre corona, je protège la bouche, je protège la nez, et mettre les lunettes, mon papa, pour ne pas passer. C'est un message, parti Rassemblement démocrate national progressiste, RDNP, AXIPOR, Fondation Éric Jean-Baptiste. Dis maman chérie, mais nous chita, ouais.